back to my channel. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue qui est mon ami veut mon gars. Mais présentement il n'est plus mon gars, il est mon ex. Donc c'est cette vidéo aujourd'hui. Je sais pas comment je vais appeler. Je vais juste appeler cette vidéo mon ami veut mon ex ou mon ami veut mon gars. Pour que you know, you guys know what I'm talking about. Pour que vous puissiez savoir de quoi je parle sur la vidéo. Parce qu'il y aura une autre vidéo appelée mon ami veut mon fiancé qui est mon bébé actuellement. Donc je veux pas que vous puissiez être confuse sur les titres. Donc je vais bien réfléchir comment je vais appeler cette vidéo. Mais bon, si c'est la première fois que tu vois ma chaîne, que tu vois cette face, assure-toi de liker cette vidéo et abonne-toi. Et aussi n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter et Snapchat. Ça sera ici sur l'écran et ce sera aussi dans la barre d'infos en bas. Ok, so let's get started. Je vais commencer avec le fait que cette amie, c'est elle qui nous a mis ensemble. Si vous vous rappelez, sur l'ancien story time, part 2 que j'ai posté, je vous ai dit, c'est cette amie qui nous a mis ensemble, moi et le gars en fait. Et apparemment, elle et le gars sortaient ensemble. Et d'après ce qu'il me dit, c'est que la fille lui a dit, genre, c'est ma copine, mais sort avec elle juste pour l'utiliser. Vous comprenez un peu le truc, genre, elle voulait que le gars m'utilise. Mais en fait, le gars a fini par fall in love, you know. C'est ça. Donc, elle a commencé à être jalouse. Après qu'elle a vu qu'on a fait 6 mois ensemble, elle a vu que ça devenait un peu sérieux. Elle a commencé à être jalouse, quoi. Donc, le gars m'explique alors. Il me montre aussi les screenshots. Et donc, il m'expliquait ce qu'elle faisait. Il me montre aussi les screens qu'on se voyait. Et puis, moi, je ne suis pas la qualité de fille que je... Je donne beaucoup de chance avant de cut somebody off. Which, c'est peut-être quelque chose que je dois arrêter de faire. Parce que je crois que beaucoup de personnes take advantage de ça, parce que le fait que je t'excuse une fois, deux fois, genre tu crois que je suis bête en fait, mais c'est que je donne beaucoup de chance aux gens, tu vois un peu. Je veux pas être, you know, je veux pas être genre un groupe qui dit oh je, you know, je suis la fille la plus chrétienne du monde, mais tu vois comment on dit Dieu pardonne une fois, deux fois, trois fois, c'est ça que je fais en fait. Donc après trois fois c'est bon, genre tu m'as gagné, tu as mis ça, bye, like au revoir, tu vois. Donc c'était un peu ça. Et puis il me montrait, c'est aussi une amie que j'ai connue depuis que je suis arrivée aux États-Unis, donc depuis que j'étais petite, ce qui veut dire genre c'était vraiment difficile pour moi de dire ok, genre j'ai appris que tu causes avec mon gars ou bien tu veux mon gars, et en plus c'est toi qui nous a mis ensemble, au revoir. Donc elle envoie les messages tantôt comme oh quand tu la déposes, imaginez-vous, souvent on partait au déluie moi et elle. Donc il y avait des jours qu'on était trois tous ensemble, et quand il a déposé d'abord, premièrement, bien sûr, et puis pas me déposer. Et quand il me déposait, apparemment, elle le testait souvent. Parce que, genre, je vis au Maryland. Et elle aussi vivait au Maryland. Mais moi, je vivais à Gettysburg. Si vous êtes dans les États-Unis, comme vous connaissez, je vivais à Gettysburg. Et elle vivait dans le PG. Lui aussi vivait dans le PG. Mais il préférait toujours la déposer dans le PG avant de descendre sur Maryland, me déposer, avant de remonter sur le PG. Pour qu'on puisse avoir, genre, un ride. Genre, on conduit juste, tu vois, un peu, genre, couple, ride. So, c'était un peu comme ça. La go le testait souvent et disait, oh, quand tu la déposes, passe encore à la maison. Genre, passer chez elle. Et puis, souvent, il me disait, genre, il me disait, oh, la go m'a testé. Je disais, tu vois, lol, genre, ignore. Et puis, il me disait, genre, ta copine là, il faut vraiment faire attention et tout et tout. C'est là, il m'a dit, ils sortaient ensemble avant. Je demande à la fille, la fille lui dit non, il voulait de moi, je ne voulais pas de lui, c'est pourquoi je vous ai mis ensemble. Non, jamais sortir ensemble. Pourtant, le gars m'a dit sortir ensemble, ils ont couché ensemble. Donc, c'était genre, what are you saying? Tu vois un peu, genre, lui me dit ça, toi tu me dis ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites en fait? Et puis, elle me disait non, t'inquiète, tu vois, sois avec lui, je suis très contente pour vous. You guys are doing good. Et moi, je disais ok, merci et tout et tout. Et quand le gars me faisait un truc, je disais, tu es ma copine en fait, tu m'as mis avec le gars. Donc je venais dire à la fille, oh il m'a fait tel. Et elle partait derrière, elle écrivait, oh elle m'a dit que tu l'as amené choper. Oh tu me faisais pas que ça compte ensemble. Oh, oh, genre, elle était toujours en train de prendre ce que lui dit en privé, genre ma copine, pour aller lui dire pourquoi tu me faisais pas ça compte ensemble et tout et tout. Jusqu'à ce qu'on a célébré nos 1 an ensemble. Elle a su que non, il n'y a rien qu'elle ne peut plus faire. Donc elle a commencé à tirer le gars sexuellement. Attendez, je vous explique. Elle envoie les messages genre, oh je veux de toi, il faut passer à la maison, on peut prendre une chambre, c'est moi qui gère, c'est moi qui paye, t'inquiète, je veux juste que tu t'occupes de moi et tout, j'ai envie de toi, les trucs comme ça. Je me rappelle, il y avait un message qui m'a montré, elle avait carrément écrit, je sais que ma te manque.
Si vous êtes adulte, vous connaissez de quoi je parle. Donc elle a dit, je sais que ma te manque et tout, tu arrêtes de faire le gars qui aime trop Ghislaine, qui est moi, et tout, vas-y, les trucs comme ça. En plus, comme je vous ai dit tantôt, je suis camerounaise, francophone, le francophone, le gars était camerounais anglophone, et la fille était camerounaise francophone as well, tu vois, elle est aussi camerounaise francophone. Donc, elle envoie les trucs comme ça en anglais. Donc, there's no way, genre, ça ne pourrait pas être genre, il parle une autre langue que je ne comprends pas. Ou bien le pidgin, parce que moi, le pidgin, là, si tu lis vraiment, tu vas lire. Genre, il parle en anglais. L'anglais, plus anglais. Genre, j'avais lu, j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi il me fait ça et tout. C'est là que j'ai commencé non, à prendre mes distances. Genre, j'ai vu que ça passait à, tu vois, ça, on appelle ça l'anglais recurring. Donc, ça passait à se passer. Oh, merde. Ça passait à arriver, voilà. Donc, ça arrivait maintes fois, ça arrivait maintes fois. Il faut m'excuser. On essaye ici. Surtout comme je vois que plusieurs personnes aiment mes vidéos en français, j'essaie. J'essaie, ok? Donc, ça continue toujours à se produire, qu'on sort, qu'on sort. Donc, ça me faisait mal que, genre, ma copine, je l'appelais même souvent ma soeur, tu vois, nos parents se connaissent et tout, elle me fait les trucs comme ça. Souvent, elle pleurait vers lui. Et un jour, je lui avais dit, continue à l'écrire, genre, qu'elle t'écrit, vas-y, genre, joue ce même jeu avec elle. Donc, je me rappelle. Elle avait carrément dit, genre, je veux de toi et tout, 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 tout. Le gars dit, ok, d'accord, à quelle heure? En passant, j'étais là, et donc j'étais là quand il écrivait. Donc, c'est moi qui dis, continue à jouer le jeu avec elle. Il dit, à quelle heure? Elle dit, je finis le travail à 21h. Elle me dit, je crois qu'elle était, elle avait. Le chien de mon. Le chien de mon voisin. Si c'est pas. Ça, c'est la provocation. Hein. Ça, c'est la provocation. Donc, désolé, le chien là me provoque. Attendez un peu. 5 hours later. Approximately 10 hours later. Donc, à 21h, elle devait finir le travail et puis elle lui a dit 21h, quand je finis le travail, on peut se voir. Et puis, ils avaient dit, si vous connaissez l'hôtel Motel 6, c'est un motel ici aux États-Unis. Motel, elle a dit qu'on se voit à Motel 6 à Greenbelt. Si vous connaissez Greenbelt, c'était le PG dans le. On appelle county comment? Dans leur province? Ah, je ne connais pas. Dans leur county. Et puis, ils devaient se rencontrer là-bas. Et puis la fille a dit, t'inquiète, c'est moi qui gère. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est venir. Moi, j'étais là, genre, je commence à me taper mon téléphone. Je teste la fille. Je dis, qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle me dit, elle est occupée. Je dis, mais tu n'es pas au boulot actuellement. Elle me dit que oui. Je dis, mais après le boulot, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, oh, elle a une sortie avec un gars. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais. Je dis, oh, ok, parce que je voulais que tu passes à la maison. Elle me dit pourquoi? Il dit non, je veux juste que tu passes à la maison. Elle me dit non, 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 je finis le travail à 21h, je serai occupée, j'ai un rencard avec un gars et tout, tout, tout. En passant, c'était mon gars dont elle parlait. Si, ok. Donc j'ai dit sans problème, il était peut-être 17h, 18h. Le gars, moi, on est parti manger et tout, genre je pleurais même, hein. Genre je pleurais vraiment. Je pleurais, j'ai dit mais, genre c'est que j'ai mis ça et qu'on sort, elle me fait des trucs comme ça, c'est pas gentil, c'est pas poli, des trucs comme ça, je pleurais et tout, tout. C'est là, il m'a dit que, c'est que souvent. Quand ta go pleure, soit tu l'amènes manger, soit tu l'amènes choper. Il avait choisi manger. On est parti manger et tout. Je pleurais toujours, mais plus trop. Genre, je pleurais quand je parlais de ça, mais pendant le petit rencard qu'on avait, je ne pleurais plus. C'est après qu'on a fini de manger, qu'on est entré dans la voiture, j'ai encore commencé à pleurer. Genre, oh, pourquoi elle me fait ça? Je ne lui ai jamais rien fait de mal et tout, tout, tout. Je l'aime comme une soeur, truc comme ça. Et puis, le gars l'écrit alors. Ta copine a tout vu les messages. Parce que je lui ai dit, j'ai dit, en fait, vas-y, dis à la fille que je suis là, je suis avec toi, et ce rencard dont elle me parle là, c'est avec mon gars, et je le sais. Il a dit que j'ai vu tous ses messages. La fille dit, oh, comment ça? Pourquoi tu lui as montré? Il dit que non, 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 tu connais Justine, elle est entrée dans mon téléphone, je ne pouvais pas dire non, et puis elle a vu, désolée, elle a dit que pourquoi tu n'as pas effacé? Oh, moi alors je prends mon téléphone, je l'appelle, elle ne prend pas, j'appelle, elle ne prend pas, j'envoie le message. Elle ne répond pas. Mais tu vois sur WhatsApp, quand tu envoies le message, ça fait les deux checks là pour dire que la personne a vu. Donc elle avait vu mon message, mais elle ne répondait pas. J'ai laissé tomber. Après le lendemain, le gars est rentré chez lui, bien sûr, il n'est pas parti voir à go. Après ce qu'il m'a dit, mais moi, en fait, je m'en fous.
Il n'est pas parti voir parce qu'il m'a dit. Et puis, j'ai dit ok. Le lendemain, elle me rappelle, elle fait comme si elle dormait. Oh, désolé, tu m'as appelé, je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée, je sais pas, tu me couches, je suis partie à mon rencard. J'ai dit mon rencard avec toi, rencard avec qui? Ton rencard avec qui? Elle m'a dit le gars dont je t'ai parlé. J'ai dit que pourquoi tu mens? Je t'appelais parce que je voulais te dire que je sais de quel rencard tu parles et avec qui c'est. Donc, arrête tes bêtises là, et tout ça. J'ai commencé à. Elle m'a dit que Justine, elle pleurait. Qu'elle dit les femmes. Elle pleurait, elle me dit, Justine, je sais pas comment tu peux croire ça. Et tout, on est comme des sœurs, je ne peux jamais te faire les trucs comme. Je ne peux jamais te faire les trucs comme ça. Moi là, j'ai dit, ah, donc toi, tu peux te placer devant moi, tu me mens comme ça. Même quand elle n'était pas devant moi, mais la mère, elle me montait là. J'ai dit que toi là, donc tu peux être au téléphone comme ça avec moi et tu me mens comme ça. Tu n'as même pas honte. Avant qu'elle a fini par admettre le fait que c'était elle, même elle dit, je ne sais pas ce qui lui a pris, elle est vraiment désolée. Et tout. C'était la première fois qu'elle accepte vraiment qu'elle a fait quelque chose de mauvais. Donc j'ai dit, ok, premier strike, non, j'ai laissé passer. Et puis, elle me dit que je suis vraiment désolée, excuse-moi, je sais que j'étais vraiment fait de la peine, désolée. Désolée. Moi, elle connaît que je suis la qualité de fille qui pardonne. Donc je lui ai dit, ok, it's ok, genre, t'inquiète. Elle me dit, je suis vraiment désolée, je suis désolée. J'ai dit, ok, c'est un problème. Après un autre jour, elle teste le gars, il ne répond pas, et puis elle appelle, il ne répond pas. J'étais avec lui, et puis elle envoie le message, elle dit que bébé, tu fais quoi? Et elle appelle encore. Je me suis assurée de prendre le téléphone. Allô? Oh, allô? Elle dit oui, qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai pas dit son nom. Elle dit oui, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je voulais juste le parler. Et tu envoies, c'est comment bébé? C'est quel genre d'appel ça, genre... Qu'est-ce que tu fais? Genre, elle me dit, oh, désolé, c'était l'erreur. Chérie, ce n'est pas être l'erreur parce que tu as appelé. Après le message, il n'a pas répondu, tu as appelé. Ça veut dire que bébé, ce n'était pas l'erreur. Donc, c'était la deuxième strike. La troisième strike. C'est là où j'ai dit que. Voilà, tu es un poisson. Tu es un poisson, tu nages autour des gens comme ça là, mais tu peux tuer. Tu peux tuer. J'ai dit, ok. J'ai laissé tomber. Et puis la suite de l'histoire continue avec mon bébé actuel. C'est la troisième fois là que j'ai dit, ah, c'est fini entre nous. Jusqu'aujourd'hui, on ne se parle plus. C'est la troisième fois là quand elle a essayé, ça avait mon fiancé. Donc, si vous voulez voir cette vidéo, faites-nous savoir sur la barre d'infos. Faites-nous savoir sur les commentaires en bas. Et merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les likes que vous laissez sur les vidéos. Ça m'aide beaucoup à savoir si vous aimez les vidéos que je suis en train de produire pour vous. Et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo et laisser des commentaires encore une fois parce que je discute avec vous tout le temps sur les commentaires. Et aussi, si vous voulez voir la partie 2, likez cette vidéo et vous me faites-le moi savoir dans les commentaires juste en bas. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? C'est free 99, ok? Free 99, c'est moins cher, c'est gratuit en passant, c'est gratuit. Donc, assure-toi de t'abonner et allumer ta cloche de notification pour que tu puisses être toujours au courant quand je poste une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye, au revoir.